Voilà, toujours au salon Tatou, ici à Lyon. Et puis, allez, on s'est arrêté sur un stand qui nous tient à cœur, la Fédération des Bikers de France. Quel est votre rôle ici pour votre nouvelle fédé hein, qui, vous n'êtes pas vieux? Non, la fédération, effectivement, a 5 ans. Nous sommes là pour informer, éduquer et renseigner tous les détenteurs de motos modifiées. Voilà, parce que en fait, votre but, c'est aussi de faire homologuer les motos modifiées. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir que les lois françaises ont encore changé et prévoient des restrictions énormes au niveau des motos modifiées. Donc notre credo, effectivement, est de nous battre pour tous les bikers, pour tous les motards, quelle que soit leur machine, que ce soit de Shadow jusqu'à la Harley-Davidson, en passant toutes les marques, pour qu'on continue à pouvoir avoir des motos qui nous ressemblent. Parce que vous n'avez pas de marque, hein. On dit bien, c'est pas les marques qui comptent, c'est le biker qui compte. Hein. Exactement, peu importe la machine, c'est l'homme qui compte, et peu importe ce qu'on veut faire de sa machine, c'est les modifications, c'est la personnalisation de la machine qui nous intéresse. Nous. Et toujours dans le respect des lois finalement, c'est ça? Dans le respect des lois, après quand une loi devient trop contre le citoyen, nous sommes des citoyens responsables, nous sommes des motards responsables et nous prenons à notre charge de monter au créneau, d'aller nous battre justement pour défendre nos droits fondamentaux. Et c'est important pour vous d'être ici, d'abord à Lyon, mais aussi avec tous ces tatoueurs et tous ces tatoués? Oui, alors pour plusieurs raisons, évidemment, nous sommes un peu tatoués, chacun d'entre nous. Nous sommes bien clients chez les tatoueurs. Mais oui, effectivement, le but est d'occuper le terrain, d'être là, de nous faire connaître. La fédération est jeune, on a besoin de tout le monde. L'union fait la force et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, malheureusement. Mais ça va arriver parce qu'un jour ou l'autre, nous serons incontournables, comme l'est la FFMC sur beaucoup d'autres credos. Mais nous sommes en travail, nous travaillons en lien avec la FFMC, bien sûr. Ça, vous n'êtes pas du tout en dehors du système, vous voulez être vraiment dans le système. C'est justement ce qu'on demande, c'est de rentrer dans le système. On nous a mis en dehors du système, on veut rentrer. Donc on nous chasse par la porte, on va rentrer par la fenêtre. Il y a beaucoup de bikers qui viennent vous voir ici? Oui, beaucoup, beaucoup de bikers. Tous les bikers qui sont passés ici, sauf s'ils se sont cachés derrière certains paravents, où nous sommes allés au-devant d'eux, où ils sont venus nous voir. Ok, on va mettre un petit site internet peut-être pour... Comment on fait pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, nous avons effectivement le site internet de la Fédération, www.fédérationdesbikersdefrance.fr. Voilà, ou sinon les pages Facebook sur le Rhône, délégation 69, ou sinon sur chaque département à sa délégation. Ok, merci beaucoup pour ce petit message. Et puis, je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de la Fédération des Bikers. En plus, ils sont sympas. Merci beaucoup. Merci à toi.